Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une ouverture d'une petite display, donc S9 Starburst, la nouvelle extension qui est sortie en japonais, avec la nouvelle rareté, donc comme vous avez pu voir dans la petite intro, les V-Star. Donc il y a pas mal de petites V-Star qui se sont glissées dans cette extension. Et dont un Dracaufeu, un petit Arceus, un petit Shaymin, donc et plein d'autres en Rainbow et une Gold, une Arceus Gold. Donc voilà, j'espère qu'on pourra choper au moins une V-Star hein, dans cette display, ça serait cool. Donc on va voir ça tout de suite. Let's go! Et donc, comme prévu, on va s'ouvrir cette petite display. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avoir du lourd. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et me mettre un petit commentaire de si cette extension vous hype ou pas. En tout cas, il y en a disponible sur le site tibichic.fr. Hop, que vous pouvez voir ici, qui s'affiche. Et donc j'espère qu'on va avoir des trucs sympathiques. Donc regardez déjà ces petits boosters qui sont magnifiques. J'adore, j'adore. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, 5 cartes par paquet, 30 boosters dans une display. C'est parti pour le premier booster. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé dans ce petit bureau ensemble pour une ouverture. Donc, depuis ce calendrier de l'Avent, donc j'espère que ça vous fait plaisir qu'on reprenne un petit peu les ouvertures au bureau également. Hein, je sais pas si le trick c'est toujours une devant. On va voir. Allez, on commence par un petit golem, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas du tout ces Pokémon. Et on commence tout doucement avec rien du tout. Oui, donc c'est pas comme les VMAX Climax où t'as une garantie assurée. Là, c'est que 5 cartes. Et normalement, il y a une espèce de quota hein, à peu près. Normalement, il y a une secrète par display, comme d'habitude. Et j'espère deux V-Star, j'espère. Normalement, les V-Star seraient censés remplacer les VMAX. Oh, une petite Shaymin V. Pour commencer, allez, on continue. Toc. Le petit trick. Ouh, je sais plus comment il s'appelle l'évolution Electek. Gros Talmorve. Et rien du tout. Encore une fois. Donc. Du coup, cette extension japonaise, ce sera des cartes qu'il y aura dans la prochaine extension française qui s'appelle Star Étincelant, si je dis pas de bêtises. Bryant Stars. Donc, je vous cache pas. Oh, le petit V Full Art qui tombe. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé au moins un des Dracaufeu. Ça serait vraiment pas mal. Hop. C'est pas une secrète. Oh non, c'est la secrète. Oh merde, je suis dégoûté. C'est déjà la secrète qui tombe. Ah non. J'aurais préféré une petite V-Star secrète, hein, je vous cache pas. Allez, let's go. On continue. C'est pas grave. Désolé, j'ai coupé mon téléphone parce que je me trouvais de plein de messages. Donc... Oh, le petit Lucario ici qui fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de Lucario comme ça. Ça fait plaisir. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est vrai qu'on découvre aussi l'extension, donc... Prends notre temps, on se fait plaisir. Hop. Et un petit Kaorin. Le petit Magmar qu'on a déjà vu. Et... Oh, c'est quoi ça? C'est la révolution de Corvaeus. Le petit Itran. Et le Melodelph.
Je vais essayer d'enchaîner un peu. Hein. Je sais que les boosters, c'est pas aussi bien que VMAX Climax, malheureusement. On n'a pas une, une super rare garantie à chaque fois, ou une CHR. Donc, le petit Pingoléon Holo, sympa, sympa. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez, vous, ouvert du Starburst, si vous comptez en commander, ou si vous attendez plutôt la version française. Moi, comme vous savez... Oh là 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 là. Si vous savez, elle est très très belle, cette Cinébrase. Oh là là, qu'est-ce que je sais même plus ce que je disais, du coup. Franchement, les holos, vraiment, elles envoient du pâté. Hein. Alors, Boreas. Et rien du tout, du tout, du tout. On s'ouvre encore et encore. On n'a toujours pas eu de Vestar. On est bientôt à la moitié de cette ouverture. Où est-ce que vous êtes, les Vestar? Je vous cherche. Pour l'instant, j'avoue qu'on s'est fait un peu climatiser. Hop. On a rien du tout, à part des holos. C'est vrai que c'est plus long. Hein. Je préférais quand il y avait 10 boosters, moi. Low class. Le low class. Très sympathique, low class. En tout cas, moi, je préfère toujours ouvrir du japonais. Je trouve ça vraiment plus satisfaisant, plus plaisant. Plus facile aussi à compléter. Oh, notre première Vestar du coup, qui sera d'autre que Shaymin, la petite Shaymin Vestar. Le petit golem. Bon, en tout cas, j'espère que les deux dernières vidéos vous ont plu. Je suis en train de monter la vidéo normalement qui devrait, si j'ai le temps de finir la montée, sortir vendredi prochain du coup. J'espère que ces petits formats... Oh, le sulfura, nice. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo présentation de mes collections aussi. On me l'a souvent demandé. Et je ne l'ai toujours pas faite. Donc, j'essaierai de vous sortir ça aussi. Alterner un peu entre le bureau et l'extérieur, parce que ce que j'ai vraiment envie de faire cette année, c'est aussi plus de concepts d'ouverture à l'extérieur. Donc il y aura un peu des deux sur la chaîne, un peu dans le bureau comme là aujourd'hui, et un peu d'autres concepts que je ferai plutôt avec des abonnés, avec des gens, ou seul, hein, dans des endroits insolites comme l'ouverture de la montagne. Mais bon, pour pouvoir faire une rencontre abonnée, il faut au moins des abonnés. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup, via Instagram aussi, souvent je communique via Instagram. Bah, pour les sorties vidéo comme ça, si je veux faire des concepts, il faut que vous soyez sur Instagram. Oh, le petit Arceus V du coup qui tombe. Très sympathique. Au moins on aura eu un Arceus dans cette display. Alors, le petit ploup, le gros tête mort. Voilà, comme je vous disais, si vous voulez que je vienne à votre rencontre dans n'importe quelle ville que ce soit, n'hésitez pas, venez sur Instagram, j'essaierai de faire des calls de temps en temps pour savoir où est-ce que je peux aller. Où est-ce que je peux aller pour un week-end, pour faire une ouverture insolite avec un des abonnés ou un truc comme ça, ça peut être super sympa. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram. C'est la dernière fois que j'ai fait un petit call pour Paris. Il n'y a personne qui m'a répondu. J'étais un peu triste. Donc, du coup, bon, je suis quand même monté. Même qu'il n'y ait personne, hein, je suis quand même monté sur Paris. J'ai fait mon petit truc tranquille. La vidéo, normalement, de la semaine prochaine. Rien du tout encore.
Bon, pour l'instant, pas fameux cette display, malheureusement. Pas beaucoup de chance. Bon, le retour de la malluck, de la malchance de Tibi, hein, comme vous le connaissez. Tac. J'en referai peut-être une autre. Oh oui! Je m'y attendais pas là. Je parlais de malchance, tout ça, et là, boum! Le Dracaufeu Vestar qui tombe. Excellent. C'est celui que je voulais. Il y en a deux que je veux. Il y a ce Dracaufeu. Il y a aussi le Dracaufeu Alternate. Très belle carte. Ah, et bien je suis content que ce petit Dracaufeu Vestar, finalement, pour moi, ça rattrape l'ouverture. Vraiment. Content. Bon, après, si on peut avoir une deuxième secret dans la display, ah non, hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance. Allez, let's go. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose dans cette display. On va enchaîner. En tout cas, voilà. Si vous voulez ouvrir de cette extension, j'en ai en vente sur le site Tibichic, je le rappelle. Je l'ai mis hier ou avant-hier. Quand vous verrez cette vidéo, c'était plutôt il y a 2-3 jours. Mais voilà. Là, on est à 3V. La secrète. Et 2V Star. Il doit nous rester peut-être une ou 2V qui traînent. Il nous reste plus que 4 boosters pour finir cette ouverture. Let's go. On a une dernière V ici. Oui, notre Dracaufeu. Eh ben, il y en a des Dracaufeux dans cette extension. Bon, bah, il me manque plus que 2 Dracaufeux à avoir. Il me semble la V-Star Gold et l'Alternate. Et on sera très très bien. Très 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 bien même, je dirais. Regardez-moi ces petits Dracaufeux là. C'est cool. Franchement, pour l'instant, je suis content. Ah, je suis content. C'est qu'une V, hein, mais ça fait tellement plaisir de voir un Dracaufeu. On est tellement à la recherche de Dracaufeu à chaque fois que, franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir du Dracaufeu. Allez, il ne nous reste plus que ce booster et deux autres. Et on aura fini cette petite display ensemble. Allez, c'est parti. Pour l'avant-dernier booster de cette première display de Starburst. Et c'est une holo. Allez, le dernier booster. Le dernier booster de cette display. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose de sympathique? Et c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. De neuf. Et non, malheureusement, Mustéflo. Eh bien, écoutez, plutôt sympathique cette ouverture. Je suis content. Je suis plutôt content finalement. Donc, avec la petite secrète Libégon. Bon, c'est pas celle que hein, je recherchais le plus, on va dire. Le petit Dracaufeu V. Très cool. Le Dracaufeu V Star, du coup, qu'on aura eu. Très sympathique également. Le Shaymin V Star. Le petit Arceus V. Et les deux autres. Bon, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette ouverture Starburst qui est d'actualité en ce moment, hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, la sortie officielle, je crois que c'était le 16, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude. Le petit like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Ça me soutient énormément et ça me pousse et me motive à continuer à vous fournir du contenu de qualité, j'espère, en tout cas. Et voilà, j'espère que vous, ça va très bien. On se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo.
Ou peut-être, si j'ai craqué et que j'en ai ouvert une autre display, je la posterai peut-être entre-temps. Enfin voilà, merci à tous encore d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. En tout cas, à bientôt et ciao 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 ciao!